Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On est avec Hugo, on est avec Alex. Salut. Qui font partie de l'équipe, l'équipe Univers Fishing. On est pour une pêche du brochet. On revient de la session là. Et en fait, Alex nous a emmené sur sa barque pour aller pêcher le brochet sur un étang juste magnifique qui est juste derrière nous. On était tous les trois sur la barque. Et c'était une session vraiment une de vos meilleures sessions sur cet étang en tout cas. C'est ça, ouais. Mémorable. C'était mémorable, voilà. C'était mémorable. Un truc de fou. Allez. N'hésitez pas à aller demander des conseils sur Insta à Hugo et à Alex pour l'utilisation des leurs, pardon. Donc Jackie Chat, Jackie Slug et Mister Gobi qui va sortir cette année en 2024. Voilà, sur ce, on vous laisse pour découvrir cette magnifique vidéo. Il y a vraiment des actions mémorables. Il y a un de nous trois qui a mis une belle branlée aux autres. On vous laisse découvrir ça tout de suite. C'est parti. Allez, viens par là, viens par là, viens par là. Incroyable. L'épisode ou pas? Ouais, non, je vais te décrocher dans l'autre. Attends, ça bouge pas. Je m'en occupe. Calm down. Parfait. On va bien jouer. Ça casse le capot. C'est calme. Ça commence bien. Vraiment bien. Là, t'as le moteur là. Ouais. Ah ouais, putain, incroyable. Okay. Putain, c'est incroyable. Ah ouais, t'as fait plus joli. Attends, bouge pas, je te l'épuise. Incroyable ça. Et puis pour celui-là Lui ouais, je pense. Ça a l'air quand même plus... Il a l'air de faire 65, je l'ai vu, il a fait une chandelle. Ouais, la chandelle elle avait déjà l'air de noir. Ouais, il fait plus que 65. Ouais, je l'ai vu aussi, il fait plus que 65. Il veut pas venir hein. Ah oui, il fait plus que 65. Il tripe dans l'épuisette, on va éviter. Ouais. Allez, toi tu vas revenir dans l'autre sens, on va. Hop là. Voilà. Tu vas jouer ça. J'ai dit. T'en bouge pas. Quel ça? Bien joué mec. Incroyable. Incroyable. Bah toi t'as un couleur éclair, moi j'ai un couleur foncé. Wow. Wow, 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 wow. Épuisé, t'as où? Oh putain. C'est un autre client lui. Ah lui ouais, c'est pas le même animal. Pas loin de 90. Ouais ouais ouais. Solide gaillard. C'est pas le truc de folie là. Oh les gros. Les choses gagnent. Je vais le chercher. Il veut pas venir. Oh le bestiau. Oh, yes. Ça, c'est bon. T'es incroyable. C'est bon ça. Ah jolie fiche. Hein. On est sur un poisson de 85, ah ouais. 87. Non, 85. 85. Beau poisson. Magnifique. Hein. Thank you.
plus. Ça fait 4-0, ça commence à faire beaucoup. C'est un truc de fou. Il va faire tous les brochets. On va m'appeler des Crushman à la fin de la journée. Ouais. Il a pris un coup sur le gozio. C'est trop belle. Non, c'est pas possible. Oh, il est correct en plus. C'est pas possible. Et c'est incroyable. C'est un truc de fou. Il nous met la branlée quoi. Il est un peu plus joli. Et c'est un truc de malade. Ah, les deux tes connaissances. Oh, loupé. Des crochets là-bas, une surface. Pas une blague. Putain, mais 7-0. Non, 7. 7. Ouais, ça va. Et c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. La vidéo, ça va être éliminée avant. C'est quoi ça, 7-0 quoi. C'est hallucinant. Voilà. Poisson, enfin. Non. Yes. Let's go. Je crois que c'est Gaillard. Hein. Ouais. Ouais. Ça va bien. C'est Gaillard ou quoi? Peut-être. Ça va, il est quand même joli. Ouais. On est plus de ce côté là. Ouais, comme tu veux. Ouais, attends, je vais le ramener. Ouais, de toute façon là, il a ce que pas de se décrocher. Vamos. Bon bah voilà, un broc. Un petit broc. Alex il est en train de nous mettre une. On peut le dire, une grosse branlée au Dirk. Du coup on est. Je passe au Dirk, on va passer un Dirk et puis. Ça donne ça. Petit broc bien sympa. On leur met à l'eau, hop. Nickel, peut-être la première, elle est là. D'être dégueu en plus, non? Il est joli, hein. Ouais. Tiens, je te le. Ouais, parce que. Attends, je suis sur ta. C'est bon. Bon, il est magnifique, hein. Il a une robe splendide. Il a trop pris. Tu l'as vu ça? Tiens. Ouais, si, c'est mieux. Beau poisson de Hugo, franchement. Allez. Ça a l'air d'être solide, non? Oh, la chandelle. C'est combien ton 8ème? 7ème? 8ème? 9ème? Ah ouais, 9ème. Ouais, donc tu as 8. Là, c'est 10, c'est ton 9ème. 9ème? C'est incroyable. Wow. Oh, ça, c'est beau. C'est beau. C'est une grosse perche. Wow. Wow, elle est trop belle. Oh, c'est trop beau. La terre chaude. Oh là là. Non. Ah non. Putain, j'aurais eu demain, je l'aurais eu. Mais là, j'étais avec ma canne dans l'autre main. Ah putain, non. Ah, j'ai 40. Ah ouais, elle était énorme.
Imagine, t'en vois sortir un là. Et du coup, c'est ici qu'on pêche. Ouais, magnifique. C'est beau. C'est vraiment. Là, tu peux pêcher une carpe en vrai. Nous, elle est noire là. Je vais pêcher au glide, hein, j'en profite. Ah ouais, là, j'adore. L'eau, elle est noire, mais claire par contre. Oui, c'est beau. Bien vu, ça. C'est beau, ça. Un petit, un petit coup d'épuisette. Bien joué ça mon pote. Direct. Hop. Tiens, je te laisse ça, je rattrape mon lancer. Voilà, petit brochet pris au jacquier. Donc là en linéaire, sur un spot un peu particulier quand même. Avec une très 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 noire. Un petit brochet. Hop. Nickel. Bien joué ça mec. Bien vu. Encore un poisson pour Hugo. Hop. Bien joué monsieur Couillard. Il se réveille là. Maintenant c'est à moi de me réveiller parce que là ça va pas. Ça va pas cette histoire. Le long de toute la bordure là, je sais pas, je le sens. Après il y a un peu plus de vent que ce matin, mais pour moi il y a moyen de moyenner. Peut-être justement vu qu'il y a un peu plus de vent, ça va être encore mieux. Oh, 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 il est gros. Il me l'a pris juste dans mes pieds. Oh, je suis choqué gros. Je suis choqué gros. Je suis choqué, épuisette. Il est énorme. Oh je suis choqué. Oh l'action de temps vrai mec. Oh là là. Il va se décrocher, va se décrocher. Je suis choqué gros. Allez viens par là. Yes. Oh là là. Oh mec il me l'a pris dans mes pieds, je suis comme un timbré gros. Bah oui gros, et l'attaque on le voit sortir la gros. Oh gros, je suis comme un malade. Oh, je suis comme un malade gros. Je suis comme un gros timbré gros. Oh le bonheur. Magnifique brochet en plein vent. Pas si gros que ça hein. Ouais. Ah, c'est pour ça. 83. Ouais. Là c'est broché à zéro là. Ouais 83. Voilà les gars, magnifique brochet de 82-83 cm à peu près, c'est ça. On pensait beaucoup plus gros parce que dans l'émotion on a toujours tendance à surestimer la taille, mais voilà. Magnifique poisson. Un de mes plus gros brochets de ma vie, c'est mon deuxième plus gros brochet, mais. Franchement ça fait trop plaisir. Ouais, il a une marque sur la tête, c'est un poisson qui a vécu. Hein. On va remettre tout de suite ça à l'eau. Bon allez, on le remet à l'eau, c'est parti. Magnifique poisson. Attends un petit peu, non c'est bon. Magnifique, ouais. Joué. Merci les gars parce que franchement vous y êtes pour énormément. Ah je suis heureux là. Ah vraiment là ma session s'arrête là, je suis content. Mais vraiment. Voilà, on se retrouve pour l'outro. Comme vous pouvez le voir, ça a été une session vraiment d'anthologie. Il y a eu beaucoup de poissons de sortie.
surtout par ce monsieur. Pas mal de poissons. Donc les leurs, bah, ça a été simple, hein. C'était jerk à fond. Hein. Un peu leur souple, un peu de PN aussi. Ouais, de mais jerk vraiment. Jerk au-dessus du lot. Ah ouais, vraiment. Quand on se faisait brasser, c'était. En plein dans le vent, carnage. C'était royal. Voilà, on a testé un peu avec des autres techniques, spinner, tout ça, ça a pas donné. Vraiment, ça a été de l'habit à mort dans le vent. Et puis quand c'était des berges un peu plus calmes, c'était plus leur souple et puis PN. Puis les poissons, on les a touchés essentiellement le matin quand même. Un petit peu l'après-midi, mais essentiellement le matin. Ouais. Gros coup le matin. Le début de la session. Ouais, début de la session, dès qu'on est arrivé sur l'eau. Ouais. Bon, après, en soir, on les a quand même touchés pas mal un peu en début d'après-midi aussi. Hein. Ouais, mais en tout cas, sur le soir, ça s'est un peu calmé. Il y a eu quelques poissons de fée, mais c'était pas des monstres. Dès que le vent est tombé, ça s'est calmé un peu, mais la majorité des poissons, ils ont été faits dans le vent, à part quelques petits poissons dans des petits bras morts un peu plus discrets à l'abri du vent, mais sinon la majorité des poissons, c'était dans le vent. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Abonnez-vous au compte Insta de Hugo, au compte Insta de Alex, puis au mien, tant qu'à faire. Allez, à plus. Salut. Oh, le pire acte de bon, bah, je vais remettre en jerk. Hein. Allez, écoutez. Ce sera dans le bêtisier. Oh putain de merde.